Coucou, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mardi. Voilà, le technicien Orange est venu à la maison. On a changé notre box parce qu'on est passé en compte professionnel. Donc, il a fallu changer la box. Il est venu ce matin à 9h. Donc, c'est cool. Comme ça, c'est vite fait. Et il m'a laissé des box là, il faut que je ramène l'ancienne box et les choses qu'il a laissées là au magasin pour comme ça je serai tranquille. Voilà, là j'ai reçu des commandes. Tout à l'heure je vais aller, ah oui, je vais aller au Grand Frais parce que ce soir les enfants ont envie de manger. Comme maintenant, je vis avec mes enfants, ils ont envie de manger du saumon, donc je vais acheter du saumon. Et j'ai passé une commande Amazon. J'ai commandé deux choses sur Amazon. Hein. C'est ça, c'est réglé. Ce week-end, on n'a rien fait. On est resté à la maison. Enfin, moi, je suis restée à la maison, j'ai pas bougé. Il faisait un temps vraiment pourri. J'avais aucune envie de sortir, donc j'ai fait mon repassage, ménage, tranquille à la maison. Bon, je suis pas sortie du tout et j'avais pas envie. Et là, ce week-end, samedi, on a décidé de. Il y a un film au cinéma qui est sorti. Je crois que c'est avec des enfants handicapés. Et mes enfants avaient envie d'aller le voir. Donc, on va se faire une petite après-midi cinéma avec les enfants. Je vais aller voir ma sœur avec mon beau-frère. C'est vrai que ça fait un moment qu'on ne les a pas vus. Donc, comme c'est à côté, on va en profiter. Alors, j'ai recommandé j'ai pris carrément un paquet de 1 kg. D'habitude, je prends des paquets de 500 grammes. Et là, j'ai pris 1 kg. C'est 40% de calories en moins. C'est du xylitol. Écoutez, je fais mes gâteaux avec maintenant. Je prépare mes gâteaux avec. Quand je bois un café, enfin, pas quand je bois mon thé matcha, ou j'en mets aussi un petit peu, une petite cuillère, pas beaucoup, vous voyez, mais ça a exactement le même goût que le sucre normal. Très bien. Et tout à l'heure, je vais acheter des cerises. Hier, j'ai voulu faire un gâteau. J'ai voulu essayer, j'ai acheté de la farine d'avoine, je crois. J'ai voulu faire un gâteau avec, mais c'était dégueulasse, c'était infect. Du coup, j'ai jeté parce que c'était trop dégueulasse. Voilà. Et j'ai repris des câbles pour mon mari parce qu'il casse toujours ses câbles. Donc, je lui en ai pris, je crois qu'il y en a trois dedans. Il y en a trois dedans. Voilà. Et je vous avais dit la semaine dernière, dans une vidéo, que j'avais vu un ensemble en léopard qui me plaisait beaucoup. Et du coup, je l'ai montré à mon mari et à ma fille. Ils ont dit que c'était très joli. Et du coup, j'ai eu envie de le tester. Donc, je vais vous montrer ça. J'ai passé. Je vais vous montrer ce que j'ai. On va changer peut-être de pièce. Parce que à chaque fois ici. Voyez, regarde. Regardez. Mon fils. Est en train de m'installer je vais mettre des tiroirs comme ça partout, partout jusqu'en haut là. Ouais. Mon fils va continuer ce week-end là, il va m'en mettre encore là. Et comme ça, je vais pouvoir ranger bien correctement tous mes sous-vêtements, des pulls, les collants et tout. Donc c'est nickel. Je vous laisse parce que j'ai mon mari qui m'appelle et je vous retrouve tout à l'heure. Alors, écoutez, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. J'espère que ça va être joli parce que, bon, de toute façon, si ça ne va pas, je le ramènerai, c'est pas un souci. J'ai commandé ce petit ensemble léopard et ça, c'est le pantalon. Alors, c'est très fluide et j'aime bien quand c'est fluide comme ça. Et j'ai trouvé en fait que le motif, et même si c'est léopard, je ne sais pas, je trouve que c'est très élégant, vous voyez. Après, il faut voir porter, mais écoutez, j'aime bien. Il y a une fermeture éclair, j'ai pris une taille M et c'est un pantalon large. J'aime bien, on va voir. Pour l'instant, j'aime bien. Et là, c'est le facteur qui m'a livré le colis parce que d'habitude, c'est un transporteur qu'il y a. Mais là, c'était le facteur qui m'a tout emmené. J'espère que ça va être cool. Le petit haut. C'est chaud aujourd'hui, il fait lourd. On n'a pas l'habitude. Hier, franchement, je me caillais.
J'avais froid. Et d'ailleurs, j'ai pris un Soluprède ce matin parce que j'ai un peu mal à la gorge et j'ai mal à la tête depuis hier. Donc du coup, j'ai pris du Soluprède. Ah, ils m'en ont envoyé deux. Est-ce que j'en ai commandé deux? C'est bizarre. Est-ce que c'est les mêmes? J'en ai deux. C'est pas grave. De toute façon, je le ramènerai, c'est pas un souci. Donc, vous voyez, le petit haut se présente comme ça. Je regarde si c'est les mêmes et c'est assez joli. J'ai l'impression que c'est. Ouais, c'est les mêmes. Bon, écoutez, c'est peut-être moi qui ai mal appuyé sur. J'ai peut-être appuyé sur deux articles. En tout cas, je vais essayer ça. Et j'ai voulu aussi commander un sous-vêtement. Vous savez que chez Zara, vous avez de la lingerie aussi. Et vraiment de la lingerie pas chère. J'ai trouvé que c'était très, très, très joli. Donc, j'ai encore pris une fois du taille L. Un joli petit string comme ça, là, trop joli. Petite culotte en taille L, ouais. Et vous voyez, cette petite culotte, elle coûte 20 euros. C'est pas trop cher. Je crois que c'est moins cher que chez Etam. En plus, les modèles sont plus. Je trouve ça très joli, vraiment. Chez Etam, on arrive à trouver maintenant des jolis articles. Mais là, regardez comme c'est beau. C'est du L aussi. Très, très beau. J'aime beaucoup ce style de modèle. Et c'est vrai que quand on porte des vêtements clairs, des chemisiers transparents un petit peu, c'est sympa. Vous voyez, même si si vous voyez un soutien-gorge à dentelle comme ça, c'est pas très grave. C'est joli même. C'est très joli. Moi, personnellement, je trouve ça très joli. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Et donc, écoutez, je vais essayer ça. Et puis, je vais voir avec l'ensemble pour voir s'il me va. Et je vais regarder aussi qu'est-ce que j'ai fait. Si j'ai commandé deux chemisiers, je retrouve. Alors, si vous voulez des cache-tétons, j'ai ceux de chez Shein, qui se présente comme ça, c'est la marque Luvelette, voilà. Et ils sont vraiment bien parce qu'ils sont couleur chair. Et moi j'en ai acheté même j'en ai acheté chez Shein. Ils sont un peu foncés et en fait on les voit quoi, donc je trouve que c'est pas joli. Mais par contre ceux-là, là, franchement, cette marque-là, il faudrait que j'en recommande d'autres d'ailleurs. Ils sont vraiment très bien, on les voit pas. J'ai pas regardé. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais le ramener, c'est pas un souci. Hier, j'ai fait une heure de. Je fais tous les jours une heure de vélo elliptique. Et hier, j'ai fait 45 minutes parce que je me sentais. J'étais hyper fatiguée, en fait. Et là, aujourd'hui, j'en ai pas fait parce que, comme j'ai mal à la tête, je préfère pas en faire. C'est marrant, mais il y a une ficelle, j'avais pas vu. C'est joli. Hop, voilà, on va mettre ça. Alors après, la matière, elle n'est pas. C'est une matière, vous voyez, où on va transpirer. Et je pense que c'est du polyester et c'est pas non plus génial. Alors c'est assez près du corps. Ouais, c'est un petit peu serré. Hein. Ouais. Là, c'est du M, mais de toute façon, ça se porte près du corps, mais là, c'est trop serré là. Je le sens pas. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je crois que je vais le ramener parce que c'est trop serré. Par contre, le bas, il est joli. Hein. Bon, après, ça passe encore. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça se présente comme ça. Le problème, c'est que si ça se porte assez serré, vous voyez, ça se porte, c'est quelque chose qui est près du corps. Et si je le prends un peu large, en L, ce sera peut-être moins ajusté. Ouais, non, je pense que je vais le garder comme ça, vous voyez. Je vais le garder comme ça. Je vais garder celui-là. Par contre, je vais ramener l'autre, hein, parce que l'autre, bah, j'en ai pas besoin. Hein. Et le pantalon, j'aime bien. Il est parfait. Au niveau de la taille, c'est parfait. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, vous voyez, je trouve que c'est élégant. Après, je peux très bien le laisser ouvert et porter juste un petit bustier en soie dessous, vous voyez. Et garder que ce haut ouvert avec un petit haut dessous. Hein, comme ça, je m'en sers de veste, vous voyez. Et là, bah, écoutez, c'est pas gênant. On va faire comme ça.
Voilà, et ben je vais ramener que l'autre, et puis ça, je vais le garder. Allez, et ben écoutez, alors là, donc comme je vous l'ai dit, je vais aller faire mes petites courses là. Et j'ai aussi, il faut que je sélectionne mes nouveaux articles pour demain. J'ai une nouvelle sélection à faire avec Chine en collaboration. Et il faut que je termine le montage d'une vidéo que je dois vous mettre en ligne. J'ai fait des achats sur Chine. Je vous ai présenté sur TikTok en short une lingerie que j'ai achetée. J'ai acheté deux sous-vêtements pour voir ce que ça pouvait donner. Et c'est franchement, c'est très joli ce que j'ai pris. C'est très très sympa. Voilà. Et c'est pas cher du tout, hein. Et j'ai acheté deux trois petites choses sur Chine. Donc il faut que je fasse le montage de la vidéo pour vous la mettre en ligne. Voilà. Et alors, j'ai passé une commande sur le site Mon Corner Bio. J'ai commandé, je dois la recevoir demain. J'ai commandé en fait des rouges à lèvres de la marque RMS. Apparemment, vraiment, ils sont très très bien. Et donc, j'ai voulu en commander. Et je vous les montrerai demain quand je les recevrai. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Et coucou! Alors, je suis dans ma chambre et je suis malade, ça y est. C'est le début, donc j'ai bien fait ce matin, j'ai hésité, j'ai dit je prends rendez-vous chez le médecin et j'ai dit je vais le faire parce que ça fait 3 jours que je me sens pas bien et donc j'ai dit au moins ce sera fait et ça évitera que ce week-end je sois au lit. Alors je vais vous montrer la petite commande que j'ai passée donc sur le site de Mon Corner Bio. Je vous ai dit que j'avais commandé des rouges à lèvres. Enfin, j'avais entendu que du bien. Il paraît que la tenue est excellente et qu'en plus ils n'assèchent pas du tout les lèvres. Donc j'ai dit je vais tenter. J'en ai pris 3 et il y avait un cadeau à donner. Donc comme ça. C'est la première fois que j'achète des rouges à lèvres de la marque RMS. Alors ça se présente comme ça. RMS. Et donc, ce sont des petits rouges à lèvres sérum légendaire. Alors, j'ai pris la teinte Monica. Je vais pas. Alors, j'ai pris vraiment des couleurs. Apparemment, ils sont très très pigmentés. Hein. Ils se présentent comme ça. Ils sont très jolis. Monica. Ah, vous voyez, c'est très pigmenté. Mais apparemment, ils assèchent pas les lèvres. Donc, c'est pour ça que j'aime bien les lèvres. Les rouges à lèvres mat, mais c'est vrai qu'ils assèchent beaucoup les lèvres. Et je me suis dit, quand j'ai vu, j'avais regardé une youtubeuse qui en parlait, et j'ai dit, je vais essayer. Donc j'ai pris la teinte Monica, j'ai pris la teinte Mickey. Alors Monica, ça se présente comme ça, vous voyez, hop. La teinte, alors c'est un marron, j'ai pas compris. Ah si, en fait, il faut tourner là. Ouais, c'est un marron celui-là, il est très joli, il est très beau. Et j'ai pris la teinte un rouge orangé. Celui-là, il est très beau. Je pense que je vais tous les prendre à force. Regardez, j'adore, très joli. Pour l'été, là, je trouve que c'est très joli. J'ai pris ces 3 teintes. Je vous rappelle, parce que j'ai ma fille qui m'appelle au téléphone. Ma fille, elle a été chez NYX cette semaine-là. Et elle s'est acheté un eyeliner qu'elle aime beaucoup. Je lui ai demandé de me le prendre. Et un mascara. Et elle s'est acheté un fard à paupières chez NYX. Qui est très joli. Et il y a plein de tâtes. Donc je lui ai demandé de m'en prendre un aussi. Voilà. Donc là, il y avait une petite trousse en cadeau. Ils m'ont mis des petits échantillons. Et il y avait cette petite trousse très jolie. En plus en cadeau, donc voilà, j'ai une petite trousse, c'est très bien pour mettre le maquillage dedans. Elle est assez grande en plus et c'est super. Voilà, ça fait une petite trousse en plus. Donc bah, écoutez, ah oui, et je vais vous montrer du coup, bon, je vous avais parlé de mon lisseur que j'ai mon mari m'a offert pour la fête des mères de la marque Dyson. Je voulais le vendre et puis donc je l'avais mis sur Vinted. Et puis ma fille, elle le trouve vraiment bien. Et puis en plus, c'est vrai qu'avec le lisseur, on peut faire des boucles. Moi, je sais pas si ça marcherait parce que peut-être que j'ai pas encore les cheveux assez longs, mais ma fille, elle pourrait avoir des belles boucles avec.
Donc j'ai dit, bah, écoute, c'est pas grave, je vais le garder. Du coup, je vais enlever l'annonce parce que je vais pas le vendre. Alors, je vous le présente. Je vous l'avais pas présenté parce que j'étais dégoûtée, en fait. Moi, je voulais le Dyson qui lisse et qui sèche en même temps. Donc, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, c'est un lisseur quand même. On a appelé Darty pour leur demander si voilà, ma fille leur a expliqué que je me suis trompée de produit. Ils ont dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller en magasin. Quand elle arrive au magasin, comme l'étiquette était décollée, du coup, il n'y a pas. Je trouve ça un peu dommage parce que sinon, vous voyez, vraiment, il était. Il n'y avait rien, quoi. Après, c'est vrai qu'il n'y avait plus l'emballage, non plus le plastique en dehors, mais je veux dire, ça peut arriver à tout le monde de se tromper. Je trouve ça. Ça me servira de leçon. Je n'achèterai plus jamais d'articles en magasin. La prochaine fois, je prendrai le temps. Et c'est ce que je fais toujours avec mes iPhones parce que je préfère acheter directement sur le site de iPhone et commander directement sur le site que d'aller en magasin, d'être pressé. En plus, là-bas, ils n'ont pas forcément envoyé. En fait, ils n'en avaient pas de ce produit. Il n'y en a que sur le site officiel. Chez Darty, il n'y en a pas. On a regardé avec ma fille. Et le problème, c'est que voilà, moi, j'ai vu le produit en tête de gondole. Il y en avait plusieurs. Je me suis dit, c'est celui-là. Je n'ai même pas cherché à comprendre. Je n'ai même pas lu le descriptif. Je me suis dit, c'est ça, quoi. Et comme ils se ressemblent beaucoup, je n'ai pas hésité une seule seconde, quoi. Je n'achèterai plus en magasin. J'irai sur Internet. Enfin, moi, je trouve que vraiment, il faut acheter sur Internet parce que, au moins, vous allez sur le site, vous voyez le produit, vous lisez les descriptifs et vous ne pouvez pas vous tromper. Alors que là, franchement, en plus, il n'y avait même pas. Il y avait juste l'étiquette avec le prix du Dyson. Il n'y avait rien d'autre. Je ne pouvais pas savoir ce que c'était exactement. Donc, je trouve ça un peu. Et puis, imaginez, vous avez un cadeau, vous recevez un cadeau. Là, ça aurait pu se passer comme ça. Mon mari aurait pu me l'acheter et se tromper en magasin. Et c'est quand même un produit qui coûte cher. On peut pas te le changer. Je veux même pas qu'il soit remboursé, au moins qu'il me fasse un avoir, qu'il me le change. Même ça, ils veulent pas. Donc, je trouve ça quand même hallucinant. Donc, je préfère, franchement, ne plus aller chez Darty. Je veux plus aller en magasin pour acheter un produit qui coûte cher comme ça. Je préfère l'acheter sur le site internet. Bon, sinon, il est très joli, hein. Vous avez une pochette en velours qui est magnifique. Et il est très joli. Vous pouvez l'ouvrir et il est très bien parce qu'il est sans fil. Il est rechargeable. Donc, il suffit d'appuyer sur le bouton là. Ah oui, il y a une sécurité aussi derrière. Ici, là, vous voyez, vous pouvez le mettre en mode avion. Donc là, vous avez plusieurs intensités là. Donc, vous le mettez comme ça. Puis après, ça va très vite en fait. Très vite, il chauffe. Et vous pouvez l'utiliser sans fil. Et dedans, il y a un support. Je trouve ça vraiment dégueulasse parce que, franchement, regardez, on l'a remis correctement dans la boîte. Hein, vous voyez, je m'en suis même pas servi. Je trouve ça dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave. À force de faire ça avec les gens, après, dans les magasins, on s'étonne. On s'étonne que les gens ne veuillent plus aller en magasin. Déjà, quand on se déplace pour acheter de l'électroménager ou quoi que ce soit, souvent, enfin bon, ça m'arrive pratiquement tout le temps, on n'a pas ce qu'on veut en magasin. Tu es obligé de le commander. Donc là, il est chaud. Là, j'ai encore mes cheveux un petit peu bouillés parce que je les ai lavés ce matin. Je me suis coupé les cheveux toute seule. Franchement, j'ai fait une horreur. Je n'ose même pas aller chez le coiffeur pour rectifier ça. Je vais attendre que ça pousse. Et alors, après, on peut se faire des petites boucles si vous voulez. Bon, moi, je sais pas y faire ça, les boucles. Ma fille, alors, je crois qu'il faut, il suffit juste de tourner comme ça. Vous voyez, voilà. Hein? Voilà, c'est trop facile. Bon, là, ils sont encore un petit peu mouillés, donc. Et c'est bien parce qu'il n'y a pas de fil. Vous voyez la différence entre les deux. Et il y a dedans aussi. La prise, il y a le machin pour poser, voyez, pour poser votre Dyson dessus. Donc c'est super, il est très bien, je suis très contente. Bon, c'est pas grave, l'autre je le prendrai une autre fois, mais bon, moi à la base ce que je voulais c'était quand même un Dyson, c'était un lisseur, le mien il est trop pourri quoi. Il abîme mes cheveux, ça fait au moins 20 ans que je l'ai, mais il est très très bien. Voilà. Bon, bah, je vais continuer sur toute la tête. Hein.
Allez, ben moi je vous fais des gros bisous. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.